André Baudry, je suis originaire de Trois-Rivières, mais depuis 33 ans installé dans la région de Victoriaville. On était dans les années 90 confrontés avec une prévention à faire et des messages de prévention à faire accepter, de façon à ce que les gens, jeunes et moins jeunes, développent des comportements qu'on appelle aujourd'hui sécuritaires. C'est surprenant de voir que dans maintenant, en 2010, les intervenants qui sont encore actifs dans le domaine du VIH-SIDA ont à faire le même, sont confrontés, c'est-à-dire au même défi, parce qu'on constate que malgré la disponibilité des services d'échange de seringues, des disponibilités des moyens de protection qu'on appelle condoms ou autres, le niveau de transmission du VIH-SIDA n'arrête pas de progresser. Alors là, les intervenants d'aujourd'hui sont confrontés à se questionner comment ça se fait et quels moyens on doit mettre en place pour essayer d'augmenter le niveau de prévention. Je vous dirais qu'un futur sans SIDA, c'est tout un défi. Et une des réponses spontanées qui me vient, c'est qu'il va falloir interdire la baise. Alors, parce que la réalité du SIDA découle directement du phénomène amoureux. Alors, moi, je pense que pour être un petit peu plus sérieux, pour avoir un futur sans SIDA, c'est d'augmenter les moyens de prévention, d'augmenter la recherche au niveau de trouver un vaccin qui vient éliminer complètement le virus. C'est les deux seuls moyens que je peux voir en fonction d'un futur sans SIDA.